Bon, du coup, malgré l'heure, je vais quand même en retenter une, mais si ça va pas loin, je vais pas forcer. J'ai cru que le saut était trop court. Bah, ah non, plus qu'il fallait. Je comprends pas comment je fais pour perdre autant de temps sur ce split à chaque fois. C'est assez impressionnant. Oui, bravo. Allez, on va éviter de perdre 15 secondes dès le début du niveau, cette fois.
Salut Yajiji. Voilà, cette fois c'est bien passé. Et donc là, bah, j'ai gagné une demi-seconde. Voilà, gratos. Code 9, et bah Splasher c'est difficile. Et voilà. Et sinon j'ai fini ce que je voulais faire sur Breath of the Wild, donc je vais pouvoir changer de jeu. Sûrement Nier Automata. Puisque tout le monde en dit du bien. Tiens, ceux qui sont dans le chat, renseignez-moi, est-ce que... Là, je vois pas mon layout parce qu'il est caché par Discord. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez les messages de Yaj sur le chat intégré au layout? Parce que l'autre jour, j'ai identifié ce qui ressemble à un bug et je me demande si c'est pas lié aux utilisateurs qui ont un underscore à la fin. Oui, d'accord, bon bah c'est pas ça. En gros c'était pendant ma run de Splasher, je crois, pour le Hooprun, ou c'était Fez, enfin c'était l'une des deux. J'avais mis mon truc de chat perso aussi. Et on avait remarqué, il y avait quelqu'un du chat qui avait remarqué que ces messages n'apparaissaient pas dans sur le layout. C'était très bizarre, j'avais remarqué ça aussi. Et cet utilisateur, je ne sais plus son nom, mais avait un underscore à la fin, donc je me demande si c'était pas lié, et apparemment non. Parce que sinon ça ferait le même problème avec Yaj. Salut Kouchas. C'est vrai que je me rends compte que pour le SGDQ, j'ai quand même mis un estimate assez serré. Parce que pour l'instant, mon temps, enfin le temps RTA de mon PB, c'est 48-40, en gros, je crois 48-39. Et j'ai mis un estimate à 50 minutes. Donc il vaut mieux que j'améliore mon PB et que je devienne plus constant. Mon idéal à terme, ce serait d'avoir... des splits moyens sub 50. Alors pour la PB Pace, alors déjà j'en suis encore au début du jeu, hein, là, concrètement j'en suis au niveau 6, il y a 22 niveaux. Je n'ai que 4 secondes 36 d'avance et le temps sur les splits c'est un temps RTA qui est juste là à titre indicatif. Voilà. J'ai fait le tour de la question un peu de manière assez rapide. Ah non, moi, ça va coucher à ça. Ça fait suffisamment longtemps que je fais du speedrun.
pour connaître la différence entre IGT et RTA, et j'ai mis un estimate à 50 minutes RTA pour le SGDQ. Oh là là. Alors c'est quoi le WR? Le WR, le World Record. Le World Record, alors déjà c'est World Record in-game. Et tu as peut-être vu sur le serveur FR le plus cool que Mr. Jack l'a battu hier soir. Et il a fait 39,57 in-game. Premier sub 40 qui en plus est deathless. Enfin bref, il a un peu posé ses couilles quand même. Alors que moi pour l'instant je n'ai encore qu'un modeste 43-29 de mémoire. Juste en dessous du temps platine. Donc j'ai la médaille de platine mais vraiment de quelques secondes. Avec un temps ô combien améliorable. Pour peu que je ne meure pas. Et c'est bien là tout le problème. Quoi comme différence entre le RTA et le IG, il y a environ 5 minutes. Parce que le temps IG, il retire tous les temps de chargement, ça c'est normal. Et aussi le temps des cutscenes. Donc les cutscenes ne sont pas comptabilisées dans le temps IG. C'est pour ça que la différence est si importante en fait. Parce que les temps de chargement au final, je dirais pas qu'ils sont négligeables, mais je pense que c'est pas ce qui représente le plus de la différence. Alors que vraiment, y a certaines cutscenes qui sont assez longues, surtout à la fin. La cutscene du boss final. Et c'est vraiment du temps incompressible. Pas le risquer. Je le sentais mal là, le early cycle, du coup je préfère pas le tenter.
Oh non, la même que tout à l'heure, putain. Voilà, ça passe mieux comme ça. Voilà, tous mes efforts des 8 premiers niveaux sont déjà évaporés. C'est vraiment un jeu cruel. Ok. Oh non, putain. Je déteste quand ça arrive. C'est pas vraiment du pif, mais c'est difficile de... de contrôler exactement est-ce qu'on va atterrir. Et du coup voilà, une seconde et demie de perdu pour pas grand chose. Oh là là, on prend tous les trolls du monde sur ce niveau, c'est assez malheureux. C'est vraiment dommage de perdre du temps sur ce niveau parce qu'il est vraiment pas compliqué. Et c'est un niveau où c'est pas si dur que ça de faire un temps à peu près optimal. J'ai un peu rattrapé sur la fin. Et ouais, Iver Cargill, je viens de voir ton message, je suis désolé, mais là je suis un peu concentré. Ouais, j'ai vu que Jack y passait en standard. Moi je pense que je vais faire que du selfish, hein. Je vais pas faire les autres catégories. De toute façon avec le SGDQ comme point de mire on va dire, je pense que je vais un peu jouer jusqu'à l'overdose d'ici là et puis du coup je partirai sûrement sur d'autres jeux après le SGDQ. Enfin pas tout à fait parce que fin juillet j'ai aussi un événement à Liège auquel je devrais jouer à Splasher. Mais après je pense que je partirai vers d'autres jeux. Il y a des chances que ça se profile comme ça. Faire une connerie, j'ai bien rattrapé le coup.
Alors là, je le joue ultra safe, hein, ce niveau. Et je sens que ça va être intéressant quand je me mettrai à apprendre les strats de ces niveaux-là. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'exploits. Je sais pas si on peut appeler ça des exploits, mais... Des petits tricks à faire avec les cages... Les cages en grille, là, avec un moulin à l'intérieur pour gagner du temps. Ouais, alors, une bonne run en même temps que de papoter, ça n'arrive pas toujours. Hein. Là, c'est... c'est assez exceptionnel. Tous mes premiers PB, je les ai fait offline, en fait. Où juste, je jouais comme ça et j'enregistrais avec Fraps. Et du coup, j'étais tout seul dans ma bulle et je pouvais bien me concentrer. Et c'est vrai que... je dois avouer que depuis que je stream vraiment ce jeu à proprement parler, c'est un peu plus chaotique au niveau des performances. Mais ça a le mérite de m'entraîner. Simplement bah, parce que quand je fais des runs en live, et bah, il faut tenir la papote, hein, faut commenter ce qu'on fait, tout ça. Du coup, c'est vrai que ça demande du multitasking assez important. Alors j'en suis pas encore au point où je lis le chat pendant les niveaux, hein, parce que ça je suis sûr que... Il y a des gens qui sont capables de le faire, mais ça c'est hors de question. Déjà je prends la peine de lire entre les niveaux et des fois c'est un peu risqué. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, sur le checkpoint précédent, eh bien, j'étais mort, c'est-à-dire j'étais mort à la toute fin du niveau. Et du coup, comme là, ce n'est pas arrivé, eh bien, j'ai récupéré 23 secondes. Ce qui est plutôt de bon augure. Cependant, je pense que je vais les perdre un moment ou un autre. Là, il y a de très très fortes chances que ça arrive. Chaud. Là aussi c'était chaud. Je joue un peu trop avec mon Kokoro. Non mais là on est au 13, en fait c'est à partir du 15 où ça va vraiment devenir la merde. Parce que j'ai beaucoup de mal à gérer le gel jaune correctement.
Déjà, il faut que j'arrive à passer le 14 sans mourir. Ce qui serait plutôt une bonne chose. Ça me pose pas de problème de perdre un peu de temps sur le 14 parce que je vais jouer safe. Le plus important, c'est de ne pas mourir. Ouais, le 14 est extrêmement punitif. Surtout cette partie-ci. Ok. Donc j'ai perdu un peu de temps parce que ça s'est pas passé aussi bien que je le voulais. Mais c'est passé. Là j'ai failli mourir sur une cime et tout va bien. Ok. Non, j'habite pas du tout en Belgique, j'habite en banlieue parisienne. Mais, non, il y a un événement en fait qui a lieu à Liège. Et du coup, je vais faire le déplacement pour l'occasion. En plus, Liège, c'est une ville que je connais quand même un peu parce que j'ai un de mes amis d'enfance qui s'est installé là-bas avec sa femme. On leur rend visite de temps en temps. Donc je connais un peu le coin. D'ailleurs, ce sera l'occasion d'aller leur dire bonjour. Voilà, je fais n'importe quoi. Ok. Voilà, et donc là, c'est le moment où on s'amuse plus du tout. Parce que je vais enchaîner les boulettes dans tous les sens. Voilà. Bon, ça c'était pas prévu au programme, mais bon, ça va y a pire. C'est moins coûteux qu'une mort, on va dire.
Salut Benano, à la prochaine. Putain, à chaque niveau, c'est un soulagement. Je déconne pas. Je pense que vous aurez remarqué que mon niveau de concentration est monté d'un cran. Si je commence à avoir les pouces qui glissent, on va vraiment pas être potes. Non, c'est pas grave. Ok.
Oh, il est passé à travers. Ça fallait que ça arrive. Mais alors là, c'était clair et net. Hein. Il est clairement passé à travers. Allez. Pas grave. Oh non, 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 non. C'est pas si coûteux que ça. Bon, là, ça le devient. Là. Allez, c'est pas grave. Là, si, ça devient grave. Tout ça parce que voilà, j'ai raté un gel jaune et là du coup j'ai tout perdu. Bon, j'ai perdu 30 secondes. Je m'attendais à perdre plus, c'est pas grave. C'est pas grave. Sur les deux derniers niveaux, il y a du temps à gagner. Facile l'ascenseur, facile. Hey Donny Brownie, thanks for the host. Alors tu dis que c'est du lourd le niveau 21, mais imagine que j'ai pas encore appris les strats. J'ai pas encore appris les vrais strats sur ce niveau. En fait, j'ai appris les vrais strats que sur les 4 premiers niveaux. Donc à mon avis, il y a encore du temps à gagner. Mais c'était clean, ça je suis d'accord. Là maintenant je fais la méthode de fumiste. Non, le deuxième il est là. Allez. Oh non, je perds du temps là-dessus.
Oh mais c'est scandaleux! Je perds du temps parce qu'il vise mal. Donc là voilà, grosse méthode de fumiste. On m'a appris l'autre jour. Si on met du gel rouge sur les méchants, non seulement ils ne font rien, mais ils ne réapparaissent pas. Du coup, on est à peu près tranquille. Allez, merci. Bon, c'était pas ouf. Non. Non, 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 non. Ça, j'ai pas le droit. Pas ici. Là, j'ai serré les fesses. Hein. Bon, l'escape, ça aurait pu être mieux. Mais j'ai mon 743. Bon, bah j'aurais pas perdu ma soirée. C'est déjà ça.